J'ai fait comme tu m'as dit, hein, marraine Sophie. J'ai dit à Caro que Kevin ne l'aimait plus pour qu'elle soit dégoûtée de lui et qu'il me donne un bisou. Ça, c'est top, ma chérie, parce qu'on s'en fiche d'être aimé. Ce qu'on veut, c'est être préféré. Sophie, ouais, elle a 8 ans. Inès, mets ta ceinture, s'il te plaît. Non, parce que sinon, je sais pas aussi bien parler avec marraine Sophie. Ça va, te tracasse pas. Le trajet est court et en plus, elle est... Mais peu importe, et montre l'exemple. Antoine, je suis plus une enfant. Mais pas encore une femme, jeune fille. Et comme disent les Suédois, enfant ou pas, attache-toi. Moi, je fais comme marraine Sophie. Je mets pas ma ceinture parce que ça froisse les vêtements. C'est pas possible. Hein. Il faut absolument que je parle à ta sœur. La petite doit changer de marraine d'urgence. Oh, mais t'as vraiment aucun humour. Hein. Inès, les garçons, on les met dans le sac. Bleu, parce qu'ils sont recyclables. Et Antoine, on le met où? Dans sa creuse. Ça, c'est très très drôle. J'en connais deux qui vont beaucoup moins faire les malines quand elles seront passées à travers le pare-brise avec leurs beaux vêtements pas froissés. Trop mort de lol. Bon, Inès, maintenant, tu mets ta ceinture, s'il te plaît. Voilà. Et ma reine Sophie va la mettre aussi. Maintenant. T'inquiète pas, ma chérie, je t'offrirai une glace après. Marraine ! Oh, c'était moi une. Ah bah, ta filleule est encore en vie. C'est dommage, il va falloir repasser.